Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Amen. Quand Dieu vient auprès de l'homme, il vient préconiser une solution. Parce que l'homme avait perdu l'autorité parce qu'il a péché. Alors Dieu prophétise que le serpent, je donnerai à la femme un jour une postérité. Parce que remarquez que la femme n'a pas de sémence. Il aurait peut-être dit à Adam que ta postérité écrasera la tête du serpent. Parce que c'est l'homme qui possède la sémence. Mais Dieu s'adresse à la femme. Une façon de dire que Adam, toi ta postérité, ce n'est pas ta postérité à toi Adam. Je donnerai un jour une postérité à la femme. Nous sommes partis voir le prophète Ésaïe, qui en a aussi parlé. Ésaïe vient nous apporter une précision. Il dit que cette femme-là, c'est une vierge. Amen. Alors, pourquoi une vierge? Pour confirmer ce que Dieu avait dit dans le jardin, que ce n'est pas toi, Adam, c'est la femme. Ah, pour qu'on ne dise pas que c'est peut-être la sémence de toi, non, ce sera une vierge, celle qui n'a jamais y possédé des sémences.
C'est pourquoi nous verrons la naissance maintenant de cet enfant-là, qui s'appelle Jésus. L'ange vient auprès de Marie, la Vierge. Elle tombe enceinte et puis il met au monde cet enfant-là. L'enfant a vécu. Le mercredi, nous avons vu, nous nous sommes arrêtés sur une écriture dans Jean qui dit que Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Amen. C'est là où nous avons commencé à nous poser des questions. Parce que ces paroles-là, ce sont ces paroles-là justement qui ont valu la mort à Jésus. Parce que, imaginez-vous, les amis de son père, Joseph, qui l'ont vu travailler avec son père, le bois. Cet enfant-là qui vient, qui dit, moi je suis le fils de Dieu. Ces papas-là qui l'ont vu grandir, qui l'ont peut-être envoyé au coin là-bas acheter quelque chose. Voir cet enfant-là venir dire, avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Quand votre père Abraham a vu mon jour, il a tracé des choses. Certains auraient pu se dire, je crois que c'est cet enfant, il est parti boire du chanvre. Parce que c'est pas normal, on l'a vu grandir ici, il était bien dessous, très intelligent même, plus que ses autres enfants. Mais maintenant qu'il grandit, il va toucher au champ. Il commence à délirer. Amen. Amen. Nous prêchons la folie pour les hommes. Tout à l'heure, nous avons eu du mal à chanter. Nous ne savons pas encore chanter. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mais heureusement, nous chantons autrement. Il y a un prophète qui a dit, j'ai grandi, j'étais jeune, maintenant je vis. Mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité qui m'en est. Heureusement, moi, nous avons le pain. Amen. Les musulmans disent que Jésus est le prophète. Ils s'arrêtent là. Je ne sais pas ce que les bouddhistes disent. Parmi les chrétiens, il y en a qui disent qu'il est le fils de Dieu. Si vous interrogez le pape, il dira ça. Il est le fils de Dieu. Il va même te raconter l'histoire mieux que toi. D'autres chrétiens aussi viendront dire que non. Jésus, c'était l'esprit supérieur qui était avec les anges au commencement. Parmi les chrétiens. Amen. Donc il y a la confusion. C'est pourquoi le Seigneur vient se présenter selon l'évangile éternel. Parce que nous disons que nous possédons la chose, alors nous devons les connaître. C'est-à-dire, quand nous nous présentons devant un joviste, je ne sais pas si on les appelle un joviste, tu sauras lui présenter Jésus. Parce que lui aussi viendra avec son Jésus. Si tu maîtrises ton Jésus, tu le feras fuir. Parce que souvent, les gens n'aiment pas faire entrer les jovistes. Il faut les faire entrer. Parce que tu dois leur présenter ton Jésus. Si tu le fouilles, c'est que tu ne comprends pas toi-même aussi ton Jésus. Amen. C'est pourquoi, justement, nous allons parler de Jésus sous tous ses costumes. Tous ses costumes. Comme ça, nous allons maîtriser, faire fouiller les branamistes, faire fouiller les jovistes. Amen. Cet enfant qui naît
il grandit. Un jour, il passait vers le Jourdain. Il y avait beaucoup de bombes. Le prophète Jean-Baptiste qui était là, il regarda, il était en train de baptiser comme d'habitude. Tu confesses tes péchés, parce qu'il avait prêché au préalable pour ramener le peuple, leur dire que vous vous êtes détourné de Dieu. Le royaume vient, rapprochez-vous de Dieu. C'était ça, sa prédication. Israël était touché, ils sont venus. Il est baptisé. Il leva la tête et il vit. Au milieu des gens, un agneau. Il proclama. Tellement il a tressaillé des choix. Parce que lui, c'était un prophète. Il savait qu'un jour, l'agneau se présentera. Amen. Parce qu'il disait déjà que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Par sa joie, il cria. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Israël se tournant, il vit un homme. Peut-être certains se sont dit aussi, ça doit être les coups de chaleur. Il a tellement baptisé, il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Amen. Alors nous allons parler de la vision de Jean-Baptiste. Pourquoi tout le monde voit un homme, mais lui il voit l'agneau. Amen. Jésus a parlé de Jean-Baptiste. Il a pris son temps pour parler de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous étiez entré? Qui étiez-vous entré et parti voir là-bas? Amen. C'était tellement important, c'est Jean-Baptiste, qu'il va les enseigner sur Jean-Baptiste. Pas un autre prophète, mais Jean-Baptiste. C'est intriguant. Nous devons comprendre qui est ce Jean-Baptiste. C'est lui qui voit différemment des autres. Amen. Nous allons lire. Matthieu. Matthieu 11. Nous allons commencer au verset 11. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point parmi de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux sont forcés et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Jésus-Christ prend son temps pour parler d'un homme, d'un prophète. Pour dire qui il est. Amen. Il est grand. Et c'est lui, Élie. Amen. Ah. Israël savait qu'il y avait une promesse. Que Élie devait revenir. Alors les apôtres ont commencé à comprendre. Parce que certains se sont dit, mais si c'est toi le Messie, mais normalement, Élie devait venir avant le Messie. C'est pourquoi il apporte la précision que Jean-Baptiste, c'est Élie. Parce que la
mission d'Élie, c'était quoi? Présenter la lumière. Amen. Jésus est la lumière. Jean-Baptiste, c'est le coq qui présente la lumière. Jésus nous dit que Jean-Baptiste, c'est Élie. Alors, cela aussi nous intrigue. C'est-à-dire, nous allons maintenant partir voir ce que c'est Élie. Après, nous comprendrons Jean-Baptiste. Amen. Et nous comprendrons alors ces visions bizarres. Parce que c'est des visions bizarres. Qui est Élie? Les Tishbites. Amen. Nous allons voir dans un roi. Un roi, chapitre 18. Donc, en Israël, il y avait à une époque un roi qui s'appelait Akab. Ce roi-là est parti épouser une étrangère du nom de Jézabel. Alors, cette femme a ramené en Israël ses dieux. Ses dieux étrangers. Le dieu Baal l'a ramené avec lui ses prophètes, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Alors, cela fait que Israël a commencé à adorer ce Dieu-là. Et le peuple s'est détourné de l'Éternel. C'est pourquoi maintenant, Dieu envoya Élie. Amen. Amen. Je vais commencer au verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et ils rassemblant les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiteriez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'elle nous donne des taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils les coupent par morceaux. Et qu'ils le placent sur le bois. Sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les et venez, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions
avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Amen. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton Dieu. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau du fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tomba sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et lui les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. Et lui les Jésuites. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jézabel, Jézabel avait entraîné son mari vers l'idolâtrie, ainsi que tout Israël. Alors Dieu voulait rétablir les choses. Jézabel, pour effacer le nom de l'Éternel, il tua les prophètes. Même Élie lui-même, il s'est caché. Quand il reçut la mission, il se présenta chez Akab. Il lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Il dit, non, c'est pas moi. C'est toi qui troubles le peuple. Alors nous allons voir. Moi, j'ai le Dieu d'Israël. Vous, vous avez le Dieu Baal. Mais qu'on nous apporte des taureaux. Nous allons faire l'autel. Seulement, nous n'allons pas mettre le feu pour consumer l'animal. Si votre Dieu, le Baal, il est Dieu, mais qu'il envoie le feu pour consumer l'Holocauste. Et si c'est moi, Mon Dieu, le vrai Dieu, j'invoquerai aussi, il enverra le feu pour consumer l'animal. Amen. Amen. Alors, on fit venir les prophètes Baal. Et il leur dit, bon, vous commencez les premiers. En réalité, parce que ce n'était pas encore le soir. Amen. Parce qu'Élie sait que l'offrande, c'est le soir. Ils commencèrent à leur manière.
Basali hôtel là-bas. Ils ont mis des taureaux. Ils ont commencé à inviter. Ils ne répondaient pas. Il y vient. Non, mais il faut qu'il y ait fort. Peut-être il dort. Il va se réveiller. Ou bien peut-être il est en voyage. Élie savait vraiment qu'il s'est moqué des gens. Tout cela pourquoi? Il avait l'assurance. Amen. Il a regardé, il a vu que l'hôtel n'était pas conforme. Amen. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'invoquer l'Éternel. Non. C'est l'hôtel. C'est pourquoi partout au monde on invoque l'Éternel. Amen. Mais le feu ne tombe pas. Même si on découvre aujourd'hui, parce qu'il y a encore des territoires non exploités, hein, des forêts, peut-être en Amazonie là-bas, même si on découvrait un peuple qui n'a jamais côtoyé le reste du monde, on découvrira que ce peuple l'a pris. Parce que Dieu a mis en nous ces désirs-là d'être en communion avec un être supérieur. Seulement, et il prie des démons. Parce que les démons, ils sont faciles à trouver. Ils leur changent de nom. Quand vous partez, les mêmes démons. En Australie, il aura un nom. En Afrique, il aura un autre nom. Mais les mêmes démons. Il y en a même des démons qui prennent une bonne apparence. Hein. Vierge Marie. Les Vierges Marie m'a apparu. Tout le monde est là. Mais il faut voir. Ce sera un lieu de pèlerinage. Parfois, non. Il y a quelqu'un qui sort le sang, là, qui dégouline le sang. On dit que c'est les marques de Jésus. On vient l'adorer. Amen. C'est des démons qui sont cachés derrière. Parce que notre Dieu, il y a une marche pour qu'il se manifeste. Parce qu'il est le feu. Amen. Et le feu tombe en dernier. Criez plus fort. Leur dit-il. Criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Il va se réveiller et vous répondre. Mais il n'y a pas de réponse. Alors, arrivé le soir, Élie mena ses présentables. Il convoqua le peuple. Parce que le but, c'était quoi? Que le peuple puisse voir le feu. Parce que c'est un miracle, n'est-ce pas? Un feu qui descend pour consumer un animal. C'est un miracle. Donc c'est un mystère. Il est venu pour leur présenter le mystère. Heureusement que Élie n'avait pas présenté Dieu. Parce que si le peuple avait vu Dieu, nous ne serions pas sûrs. Amen. Il leur présenta Dieu dans une costume. On dit une costume, n'est-ce pas? Un costume. Il leur présenta Dieu dans un costume. Que Dieu soit avec nous. Parce qu'il se présente à nous sans costume. Amen. Pour que nous puissions le voir tel qu'il est. Et possédions la connaissance. Ça, ce n'était que l'ombre. La première des choses, Élie prit 12 pierres. Amen. La pierre. Il plaça 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Parce que les tribus d'Israël, c'est Israël. Amen. Et Israël, c'est la bénédiction qui venait d'Adam, descendit à Isaac, ensuite à Jacob, qui est Israël. Amen. Donc la bénédiction d'Abraham, c'est les 12 pierres, qui représentent en réalité la promesse
Amen. Je vois que nous suivons. Que Dieu soit béni. Il présenta, il arrangea d'abord les 12 pieds. Il prit le bois. Il le mit dessus. Il prit le taureau. Il posa dessus. Il constata que tout était en ordre. Amen. C'est pas fini. Prenez 4 cruches d'eau. Il prit des cruches d'eau. Versé sur l'Holocauste. Il versait. Peut-être qu'ils se sont dit, mais normalement pour qu'il le feu prenne, il faut que le bois soit sec. Mais avec l'eau, mais ça, il n'y aura pas de réponse. Hein. Mais là, il se complique. Amen. Mais il savait très très bien ce qu'il faisait. Remarquez qu'il s'est caché de Jézabel pour que quelqu'un puisse avoir l'assurance de se présenter devant le roi d'Israël. Alors que Jézabel est en train de tuer les prophètes. Mais il faut qu'il ait l'assurance. Quand nous aurons cette assurance-là, même si tu restais tout seul, contre tous, comme Élie, cette assurance ne faiblira pas. C'est pourquoi nous devons connaître Jésus. Car si tu le connais, c'est alors que tu auras l'assurance. Tu sauras que il répond toujours au tien. Il s'élève toujours les derniers. Ramener encore de l'eau. Parce qu'on pouvait dire, bon, peut-être que bon, l'eau n'a pas très mouillé les bois. Amen. Ramener encore 4 tiges. C'est pas bien mouillé. Ramener encore 4 tiges d'eau. Il ramenait 3 fois. Parce que c'était dans un fossé, dans une fosse. Il remplit aussi les fosses. Donc, c'est-à-dire, nous avons le 12 pieds, nous avons le bois, nous avons l'Holocauste dans l'eau. Amen. Alors que les prophètes Baal, ils ont invoqué, ils avaient du bois sec. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Imaginez-vous maintenant les prophètes Baal envoyant Élie. Nous, on a invoqué avec du bois sec. Il fait les poules à pêcher. Mais lui, il met tout dans l'eau. C'est fou. Amen. Il savait ce qu'il faisait. Parce que c'était ça la procédure. Pour que Dieu vienne. Lui, il ne choisit pas des chemins faciles. Non. Sinon, il ne serait pas Dieu. Pourquoi il choisit un chemin? Amen. Pas un boulevard. Non. Nous avons un chemin. Non seulement il nous a donné seulement un chemin, mais ce chemin-là est étroit. C'est mis dans mes chambres. Il est compliqué. Alors que d'autres, ils ont un grand boulevard. Ils circulent tranquille. Tranquille, en vitesse. Mais nous, quand nous avançons, relève-toi. Il dit seulement ça. Relève-toi. Et continue. C'est comme Élie. Hein. Remarquez, hein, quand il a fait tout ça, il a fui. Il a fui Jézabel. Ensuite, Dieu l'a bien dit, relève-toi. Les chemins est long.
Alors Élie se présenta, invoqua l'Éternel. Le feu tomba. Amen. Quand le feu est tombé, peut-être ils auraient pu dire, non, quand ils ont versé l'eau, peut-être il y a eu quelques bois secs qui sont restés à côté. Amen. Mais le feu consuma tout. L'holocauste, le bois, l'eau et le pierre, tout consume. Quand Dieu dit consumer, c'est-à-dire consumer, c'est-à-dire il ne restait plus rien. Amen. Voilà Élie, le Jésuite. Maintenant, quand le peuple a vu cela, il s'est prosterné. Il a reconnu le Dieu d'Israël. Il dit, toi, Jézabel et Akab, vous nous mentiez. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Parce qu'il s'est manifesté. Élie ordonna qu'on arrêta tous les prophètes de Baal. Les 450. On les amena à Kérad, à Kisukison. On les tua. Amen. Pourquoi on tua les prophètes Baal? Pour faire disparaître Baal d'Israël. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec d'autres dieux. Amen. Parce qu'Israël, c'est une terre sainte. Voilà que Jésus vient. Il nous présente un homme. Il dit que c'est lui Élie. Mais c'est qui rire? Amen. Or, nous savons ce qu'Élie a fait. Amen. Mais alors, pourquoi lui, il le présente comme Élie? C'est qu'il devait faire la même chose. Amen. Jean-Baptiste vient. Parce que l'autel doit être placé par les prophètes. On ne le place pas n'importe comment. Amen. Donc Dieu devait lui-même respecter sa parole. Sinon, mais il serait venu comme ça. Il vient, il tombe du ciel, et puis il commence à prêcher, c'est moi le Messie. Amen. Mais non, il est soumis à sa propre parole. Parce qu'on avait parlé de lui, rappelez-vous. La loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Alors je suis venu accomplir tout ce qui avait été dit sur moi. Quand il a fini, il a dit, tout est accompli. Amen. C'est-à-dire qu'il avait tout accompli, il n'a rien laissé. Tout accompli dans les moindres détails. Jean-Baptiste regarde, il voit l'agneau. Amen. Lui, il savait qu'il était Élie. Amen. Il savait que c'est lui qui devait présenter l'autel, le placer. Quand il baptisait, peut-être, il était impatient. Parce que sa mission était de présenter, de poser l'autel. Présenter Dieu à Israël. Ça, il le savait. Et enfin, il vit l'agneau. Amen. Remarquez qu'il était dans les journées. Il baptisait dans le fleuve. Donc nous avons là Élie, le prophète. Nous avons l'eau. Nous avons l'animal.
Jésus vient. Parce que Jésus sait que, étant l'agneau, l'holocauste, il doit être aspergé, il doit être dans l'eau, comme avec Élie. Il vient. Jean-Baptiste, Élie, fais ce que tu avais fait dans les temps. Asperge-moi d'eau, parce que je suis là déjà la nuit. Il dit, mais non, non. Les prophètes, c'est moi. Mais non, moi je sais que tu es trop grand. Mais c'est moi qui dois venir pour que tu... Il croyait que lui, il pouvait être le locus. Ça, c'est la faiblesse. Jésus lui dit, non, prophète, c'est moi l'Holocauste. C'est moi qui dois être aspergé d'eau. Amen. Laisse que les choses soient faites comme ça. Parce que c'était comme ça. Et lui, il est pris. Il est mis dans les choses. Amen. Alors nous avons notre tel. Quand Jésus-Christ, l'eau est venue, les cieux s'ouvrirent. Le feu descendra. Amen. Dieu descendit. Parce que le tel était posé. Celui-ci est mon fils. C'est-à-dire, j'agrée. Les processus, c'est moi qui en ai l'auteur. C'est moi le Dieu d'Israël. Alors Israël a vu et a su. Amen. Heureusement que même avec Jean-Baptiste, Israël n'avait pas vu Dieu. Si Israël avait vu Dieu, nous ne serons pas sauvés. Amen. C'était toujours long. Parce que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut qu'il y ait des temps. Dieu respecte sa propre parole. Élie était un témoin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était un témoin. Amen. Parce que Élie, c'est Jésus. Élie, c'est Jésus. Qui peut connaître les fils si ce n'est le Père? Qui peut connaître le Père si ce n'est le Fils? Et c'est à qui il le révèle. Ce n'est pas Élie qui devait révéler le Père. Non. C'est pourquoi Israël ne l'avait pas vu. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui devait révéler le Fils. C'est pourquoi Israël ne l'avait pas vu. C'était long. Le véritable Élie était là, enfin. Remarquez, quand il vient, il rentre en scène. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Le pied. Amen. Il connaissait le processus. Pour bâtir l'autel, il fallait déjà préparer le pied. Combien de pierres? 12. Peut-être que le prophète Baal en avait mis 13. Ce n'était pas dans la norme. Peut-être qu'ils en avaient mis 10. Ce n'était pas dans la norme. Parce que l'Écriture déclare, ne rien ajouter, ne rien retrancher. Pour que l'autel soit agréé. Élie vient. Fallait qu'il pose les 12 pierres. Il partit à les recherches. Trouva Simon Pierre, le fils de Zébédée,
toi tu es Pierre, suis-moi. Il trouva Matthieu, toi tu es Pierre, suis-moi. Amen. Amen. Il choisit 12 apôtres. Mais le Pierre là ne doit pas être des hommes. Amen. C'est ça le problème. Parce que Simon Pierre est mortel. Il va mourir et disparaître. Alors que l'autel que lui, il est venu placer, doit demeurer. Pendant toute la grâce. Alors il entreprit maintenant de transformer la pierre. Pour que ces pierres-là deviennent des rocs. Amen. C'est pourquoi il a pris son temps. Il s'est déversé en eux. Pendant 3 ans et demi. Parce que c'est lui la pierre. Amen. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se déverse dans 12 vases. Pendant 3 ans et demi. Il trouva enfin les 12 pierres. C'est pas étonnant qu'il leur dit, qu'il dit à son père, père, moi je m'en vais. Mais garde. Il ne parlait pas des apôtres. Non. Il parlait des pierres. Il savait qu'il s'était déjà déversé dans les 12. Et que le père devait garder les 12. Des siècles et des siècles. Même aujourd'hui. Ce sont les mêmes 12 pierres. Amen. C'est pourquoi nous, ce n'est pas difficile pour nous de savoir que nous sommes dans l'église, dans cette église-là. Il nous suffit de regarder les 12. Ils font ceci, nous les faisons. Ils ne font pas ça, mais donc ça c'est un rachat. Ça ne fait pas partie des pierres. Amen. Nous ne devons pas avoir 13 pierres. Toi, tu es un rachat. Sinon, Dieu ne descendra pas. C'est aussi facile que ça. Il plaça les 12 pierres. Lui-même étant l'Holocauste et le prophète, parce qu'il joue plusieurs rôles. Il est le véritable Élie qui place. Et il est lui-même l'agneau qu'on avait vu. Amen. Il avait aussi le bois. L'autel prenait forme pour que Dieu descende. Nous connaissons l'histoire. On vérifia même que cet agneau-là était sans tâche. Les sacrificateurs les vérifiaient. Parce que l'agneau qui devait être immolé devait être sans tâche. Ne devait pas boiter ni avoir les babotis. On appelle ça comme en France. L'autel prenait forme. Amen. Amen. Et lui était à l'œuvre. La mission, faire descendre le feu. Faire descendre Dieu. Alors, on prie. L'autre jour, j'ai posé la question ici. Qui a tué Jésus? Amen. C'est une question à laquelle que les gens ne se posent pas. Parce que nous savons que c'est les Romains qui ont arrêté Jésus. Mais qui a tué Jésus? C'est-à-dire, qui devait avoir cette responsabilité de placer l'autel et de gâcher l'Holocauste? L'Holocauste fut égorgé.
mis l'eau. Amen. Rappelez-vous, on avait mis asperger deux, trois fois. C'est les trois jours que les corps est resté dans la terre. L'Écriture déclare que nous avons lu au commencement que quand nous prenons le baptême, nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons. Donc cette eau-là représentait la terre dans laquelle l'Holocauste est levé séjourner trois jours. Les corps sortis. Jésus ressuscita. Alors, fallait que Dieu descende. Amen. Parce que c'était ça la mission. Faire descendre Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit au commencement que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et que les eaux, ce sont des peuples. C'est-à-dire, Dieu était éloigné des hommes. Sa mission était de venir habiter là-bas. À l'époque de Noé, après le déluge, la terre entière a péri. Et la terre était couverte d'eau. Noé devait descendre sur la terre. Il lâcha une colombe. Amen. Vous rappelez, il lâcha une colombe. La colombe vint. Marcha sur les eaux. Pour chercher un endroit où se poser. Parce que la mission était de venir se poser sur la terre. La colombe retourna auprès de Noé avec une feuille d'olivier. La première fois, la colombe ne trouva rien. La seconde fois, la colombe, sur la terre, quand les eaux baissaient, la colombe a enfin trouvé un arbre. L'olivier. Un arbre où s'est posé. Il prit la feuille pour rendre le témoignage à Noé. Qu'il y avait enfin un olivier sur la terre où je pouvais me poser. Amen. C'est pourquoi la terre est remplie d'eau. Ces jours-là, quand Jésus-Christ est sorti des eaux des Jourdains, la colombe est venue. Amen. La colombe est venue. Cette colombe qui marchait sur les eaux, qui ne trouvait où se poser. Enfin, trouva l'olivier. C'est pourquoi une voix sortit du ciel. La joie de Dieu d'avoir enfin trouvé un endroit où se poser. L'olivier. Où nous avons été hantés. Amen. C'est pourquoi il y a eu la colombe ces jours-là. C'est posé sur eux. C'était l'olivier. L'autel était placé. Il fallait que le feu descende. Amen. Il dit aux apôtres, allez et attendez. Parce qu'il savait que le processus avait été respecté. L'assurance d'Élie. Mais il fallait que ça descende. Il va devoir descendre. Sinon, il contredit sa propre parole. Amen. C'est ça la faiblesse de Dieu. Sa parole. Alors ils étaient ensemble dans la chambre haute, en train de prier. Quand il leur disait attendez, ils ne comprenaient toujours rien. Ils ne comprenaient pas que nous avons Élie.
Et ce jour-là, soudain, Dieu descendit. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'il soit descendu sous la forme des lames de feu. C'est le feu de ces jours-là devant les prophètes Baal. Amen. Il est venu consumer l'Holocauste. Donc cette scène-là de lui ne faisait que prophétiser de ce qui viendra. Jean-Baptiste vint, il prophétisa. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean aussi a prophétisé. Et la réalité était enfin là. Élie était incapable de présenter le Père. Parce que c'était un homme. Amen. C'est les prophètes qui devaient présenter le Père. Et les prophètes étaient enfin là. Il présenta le Père. Dieu descendit. C'est ce que nous appelons le baptême de feu. Remarquez que quand Dieu descend, il descend après le respect du processus. Amen. Ça, c'est bon. Les prophètes Baal ne savaient pas comment faire descendre Dieu. Maintenant, quand l'esprit vient, c'est que le processus a été respecté. Voilà pourquoi nous disons, si tu n'as pas l'évangile éternel, mais comment veux-tu que l'esprit descende? Si les apôtres, ils avaient eu de l'âme de feu, ça veut dire que l'esprit est venu confirmer que en toi, l'autel a été respecté. J'approuve. Amen. Mais comment veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Tu n'as jamais entendu l'évangile éternel. C'est là où nous prend pour des orgueillés. Mais et il se croit pour qui? Nous nous prenons pour les gens révélés. Nous savons que Dieu respecte sa parole. Mais toi, tu n'as pas de pied. Tu n'as pas l'Holocauste. Mais comment veux-tu que le feu descende? Ou bien alors nous allons réveiller les prophètes Baal. Et ils vont te dire, non, ça ne descend jamais comme ça. Ils en ont fait la preuve. Amen. Quand l'esprit descend, c'est que le processus a été respecté. Il ne vient que confirmer. Amen. Voilà pourquoi Jésus a pris son temps pour nous parler de Jean-Baptiste. Dieu qui prend le temps de parler des noms. Non, de parler de lui-même. Amen. Parce que Jean-Baptiste, c'est Jésus. Parce que Élie, c'est Jésus. Sa mission était de venir faire descendre le feu. Parce que c'est lui le Fils qui doit présenter le Père. Amen. Dieu soit loué parce que nous connaissons le Fils, nous connaissons le Père. Parce que pour connaître le Père, il n'y a pas de façon. Il faut venir auprès du Fils. C'est pourquoi nous parlons de la divinité de Jésus. Qui il est? Ça, c'est un costume. C'est-à-dire, c'est le prophète qui doit faire descendre le feu dans ta vie. Amen. Remarquez que quand la lampe de feu est descendue sur les apôtres, parce que Jésus était là, il était déjà monté. Entre guillemets. Amen. Mais il a pris le temps pendant 3 ans et demi de se déverser en eux. C'est pourquoi il est important d'écouter. De venir écouter. Écouter et écouter. Plus tu écoutes, plus tu prends des ailes. Plus tu écoutes, plus tu reçois l'œil de l'aigle. Parce qu'il faut avoir l'œil de l'aigle pour voir l'agneau.
voir différemment de tout le monde. Il faut être humble. Voilà. Amen. Avec assurance. Dieu a changé. Parce que souvent, ceux qui disent ça, c'est des bishops. Je suis la bouche de l'Éternel. Amen. Et le courage vient lui dire, comme David, devant les géants, c'est qui encore? Goliath. Il avait l'assurance, hein? Parce que lui, il connaissait Dieu, que Dieu bénisse David. Il avait fait des expériences avec Dieu, parce que c'était un lion. Avec assurance. Lui est un petit. On lui donne même la tenue de combat. Il n'arrive même pas à marcher avec. Mais il avait une assurance. Il connaissait. Dis-lui, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as des démons. Amen. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de dire à quelqu'un, tu as des démons. Parce que si quelqu'un n'a pas Dieu, il a des démons. Les prophètes Baal avaient des démons. Alors, si tu dis à un prophète Baal, tu as un démon, est-ce que tu mens? Tu dis la vérité, non? Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Même s'ils sont nombreux, ils étaient 450. 900, plus 400. Plus 400. Les prophètes d'Astarté aussi. 900. 905. Oui, mais Élie était tout seul. Les autres prophètes étaient cachés. Il y en a d'autres qui sont morts. Tout seul, il n'y a pas. L'assurance. Vous avez des démons. S'il leur dit, criez encore plus fort. Mais parce qu'il sait que personne n'entendra. Vous comprenez ça? De dire qu'ils n'ont pas d'oreilles. Mais comment voulez-vous qu'ils entendent? Ils n'entendront jamais. S'ils leur avaient même laissé une année, rien n'allait se passer parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Amen. Mais seulement ils étaient obligés d'intervenir parce qu'on était arrivé le soir. L'heure à laquelle Dieu descend. Alors à partir d'aujourd'hui, étant chrétien, parce que nous parlons de la divinité de Jésus. C'est-à-dire, à l'issue de ces enseignements, nous allons avoir l'assurance de nous tenir même devant des bouddhistes. Que toi, tu as des démons. Mais il faut le dire avec respect. Sinon, vous risquez d'avoir des coups. Parce que ça fait mal, hein? Dire à quelqu'un qui. Parce que ces gens-là, vous savez, ils sont sincères. Ils prient vraiment sincèrement. Et surtout, ils voient des manifestations. S'ils ne voyaient rien, mais ils viendront chercher les vrais dieux. Il faut qu'ils voient aussi des manifestations. Pour que ces manifestations-là, ces miracles-là, mais les éloignent davantage. Amen. Jésus, il prêchait en parabole. Devant la foule. Même les apôtres se sont étonnés. Pourquoi, quand on est là-bas, tu parles en parabole? Puis ils ne comprennent pas. Jésus dit justement, ils ne doivent pas comprendre. Parce qu'il ne leur est pas donné de comprendre. Wow. Mais vous devez comprendre. Vous êtes de pierre. Amen. Même quand il dit, parce qu'il y a un verset qui trompe tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais il lise très bien, hein? Quiconque. Mais il ne voit pas quiconque. Dieu a tant aimé le monde. Il s'arrête là. C'est-à-dire que le monde entier doit être sauvé. Non. Sinon, le prophète Baal serait sauvé. Il ne serait pas tué. Ils avaient été tués. Amen. Amen. Voilà. Donc, le Saint-Esprit ne descend que lorsque. Ça veut dire quoi? Élie, je parle du véritable Élie, pas des hommes. Donc Jésus,
Il est venu aussi avec la mission de nous présenter à Dieu. Pour que Dieu vienne à vivre à nous. Amen. Parce que c'était ça la mission. Et cet esprit-là qui était au commencement. Rappelez-vous, le mercredi, on s'est arrêté sur un verset qui nous a renvoyé là-bas. Au commencement. Parce que tout se passe là-bas. Et au commencement, cet esprit-là s'est mauvais sur les eaux. Les eaux, ce sont des hommes. Donc cet esprit-là n'avait pas de contact avec l'homme. Mais Dieu voulait venir habiter dans l'homme. Nous allons lire une écriture. Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Voilà l'écriture qui résume cela. C'est-à-dire, au commencement, cet esprit-là était au-dessus des hommes. Et cet esprit-là a pris un corps, est passé par une vierge, est venu sur la terre. La mission, c'est quoi? De revenir habiter maintenant dans l'âme. Parce que Dieu cherchait en réalité un endroit où habiter. Amen. Cet esprit-là, qui était sur les eaux, cherchait à descendre, cherchait un olivier, mais par un processus. Parce qu'avec Dieu, tout est processus. Remarquez même cet arbre-là. Il peut avoir peut-être 20 ans. Vous voyez ça? Mais cet arbre est parti d'une graine. La graine est tombée en terre et la germe. Jusqu'à atteindre 20 ans, nous voyons un arbre. Avec Dieu, c'est toujours un processus. C'est pourquoi je disais l'autre jour que quand il est en train de fabriquer sa femme, il arrive à l'oreille. Le diable, lui, il est là pour voir. Ah, là, c'est pas bon. Mais lui, il est patient. Lui, il ne sait pas voir que cette oreille-là sera parfaite. Non, il est agité. Ah, l'oreille, il n'est pas bon. C'est un péché. Amen. Le Seigneur ne fait même pas cas de lui. C'est nous qui ne connaissons pas, nous nous agitons. Ignorons ses envoyés. Ayons l'œil de l'aigle. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, nous dit le Seigneur. Nous savons que ces jours-là, nous serons parfaits. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans le mal. Loin de là. Amen. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Nous devons être saints parce que notre Père est saint. Amen. Je vais vous dire une chose. Si vous ne vivez pas dans la sanctification, vous n'aurez pas la paix. Mais quand vous êtes dans la sanctification, vous réalisez la présence de Dieu tout le temps. Et vous êtes heureux. Cela vous donne la paix. La paix dont Jésus dit qu'il nous donne la paix, non selon le monde. Ça dit, quand tu réalises que en moi j'ai Dieu, je suis en parfaite harmonie avec lui.
il n'y a aucun péché qui mette des barrières entre lui et moi. C'est cela qui te procure la paix. Amen. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Aussi longtemps que nous avancerons vers la perfection, nous trébucherons. Nous trébucherons. Le plus important est que nous puissions nous relever et continuer la marche. La divinité de Jésus. Jésus a plusieurs costumes. Plusieurs costumes. Donc, le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons le voir petit à petit dans ses costumes. Et à l'issue de cela, nous aurons vraiment un fondement. Et nous aurons l'assurance. Amen. Que Dieu